Bonjour Denis, quel est pour toi le rôle de la Banque centrale européenne dans cette crise sanitaire? Économique de la BCE, c'est un rôle qui s'applique non seulement à la BCE, mais à l'ensemble constitué de la Banque centrale européenne et des 19 banques centrales nationales de la zone euro. C'est ce qu'on appelle l'eurosystème. C'est bon à savoir parce que ça veut dire que les institutions nationales, comme la Banque de France par exemple, sont complètement partie prenante de cette action. Et ça veut dire aussi qu'elles ont, on a des choses à dire sur ce qu'elles font. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Alors en ce moment, la BCE fait des choses qui sont à proprement parler extraordinaires, des politiques non conventionnelles comme elle le dit elle-même, et elle fait principalement deux choses. Premièrement, elle achète des titres, ça on en a beaucoup entendu parler, donc elle fait une chose qu'elle avait absolument refusé de faire à sa création et puis qu'elle a commencé à faire lors de la précédente crise, à partir de 2009, 2010, 2011. Elle achète sur le marché financier des titres qui circulent et qui ont été mis principalement par des États, mais éventuellement aussi par des entreprises, des compagnies d'assurance, des banques. Et elle les achète en masse, puisque elle a un programme sur l'ensemble de l'année 2020 qui va dépasser 1 000 milliards d'euros d'achats. Le but étant de maintenir la valeur de ses cours et en particulier de permettre de faciliter pour les États de la zone euro l'émission de ces titres. Alors, comme on sait qu'il y a de la demande, donc ils n'ont pas besoin d'offrir un taux d'intérêt prohibitif pour se financer. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Les émissions de titres en ce moment par les États de la zone euro se passent plutôt bien. Et il y a même des pays comme la France et voire l'Allemagne qui empruntent à des taux négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales qui achètent ces titres en deviennent propriétaires. Mais ça veut dire qu'en contrepartie, elles ont donné de l'argent à quelqu'un. Donc la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro achètent des titres sur le marché. Alors, mais ça veut dire qu'en contrepartie, les vendeurs de ces titres vont recevoir de l'argent. De l'argent qui a été créé à partir de rien par les banques centrales. Qui sont ces opérateurs de marché qui vont recevoir de l'argent de la BCE? Ben, ce sont des banques, des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des spécialistes de la spéculation comme BlackRock, par exemple, des fonds de placement. Donc, ce sont vraiment les gens qui font la pluie et le beau temps sur le marché financier et qui vont disposer donc de 1 000 milliards de 1 000 milliards d'euros supplémentaires d'ici la fin de l'année. Mais pour faire quoi? Ben, on se doute de ce qu'ils vont en faire. Ils vont s'en servir pour rentabiliser leur portefeuille. Donc, encourager tout ce qui peut constituer dans les politiques nationales des politiques d'austérité pour réduire les déficits publics ou limiter leur augmentation et réserver la plus grande partie des dépenses publiques pour qu'elles puissent servir de soutien à la rentabilité des entreprises. Et puis en ce qui concerne les entreprises, ces spéculateurs sur les marchés financiers vont privilégier les entreprises qui vont elles-mêmes répondre à des objectifs de rentabilité maximale. Donc celles qui vont, par exemple, entre guillemets, profiter de la crise pour se restructurer, supprimer des effectifs, réorganiser leur chaîne de valeur en fonction d'objectifs de rentabilité. C'est-à-dire que cet argent, ces milliers de milliards d'euros que les banques centrales de la zone euro vont injecter dans les marchés financiers, ils vont servir non pas à combattre la crise sanitaire et économique dans laquelle nous sommes, ils vont servir en réalité à en aggraver les causes, c'est-à-dire l'austérité budgétaire et les politiques de baisse du coût du travail. Donc, on se réjouit un peu vite de voir que les banques centrales viennent au secours du système financier. Il est tout à fait vraisemblable que cette intervention va en réalité conduire à une aggravation de la crise. Donc, ce n'est pas seulement une mauvaise idée, c'est même très dangereux. Alors la deuxième chose que font les banques centrales de la zone euro, c'est qu'elles ont énormément l'intention d'augmenter les prêts qu'elles font aux banques, en contrepartie des crédits que ces banques font aux entreprises et aux ménages. La BCE a prévu une enveloppe de 3 000 milliards d'euros sur l'ensemble de la zone euro pour ce genre d'opération. Ça représente à peu près les deux tiers de tous les crédits actuellement en cours pour les entreprises dans toute la zone euro. Donc c'est absolument énorme, c'est gigantesque.
C'est prêt aux entreprises, on appelle ça du refinancement, puisqu'elles servent à refinancer des crédits que les banques ont accordés à des entreprises ou à des ménages. Ces refinancements, ils sont accordés à des conditions extraordinairement favorables, à 3 ans ou 4 ans d'échéance, et avec des taux d'intérêt négatifs. Les banques peuvent obtenir de l'argent créé à partir de rien par la Banque Centrale Européenne à un taux de moins 1%, à une seule condition, c'est qu'elles prêtent aux entreprises et aux ménages. Mais là encore, toute la question est de savoir à quelles entreprises elles vont prêter et qu'est-ce que ces entreprises vont faire avec cet argent. Toutes les consignes qui sont données à l'économie en ce moment par les gouvernements, par les actionnaires, par les banques et par les banques centrales, consiste à dire, vous avez des problèmes de trésorerie, il y a eu le confinement, c'est la crise, on va pas en sortir comme ça, c'est grave. Donc, dépêchez-vous de redevenir rentable. C'est ça la consigne. Mais redevenir rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire baisser le coût du travail. Ça veut dire garder plus d'argent pour les profits. Ça veut dire éventuellement produire moins, mais en en gardant plus pour les actionnaires, les banques, les créanciers. Donc, ça veut dire que, effectivement, on voit très bien que les grands groupes qui ont perçu ce soutien et qui commencent à percevoir ce soutien de la part de leurs banques et de la part des banques centrales qui sont derrière ces banques, eh bien, ils commencent déjà à annoncer des restructurations, des suppressions d'effectifs. On parle d'Air France, de General Electric, en réalité, ils sont tous en train de préparer, à la faveur de la crise, une aggravation des politiques de baisse du coût du travail. Et là encore, ce sont précisément ces politiques de baisse du coût du travail qui ont conduit à une organisation aberrante des chaînes de production depuis 20 ans et qui ont conduit au fait que quand on a eu besoin de médicaments, de masques, etc., chez nous, on savait plus les faire parce qu'ils avaient été délocalisés. Ce sont ces politiques qui ont conduit à sacrifier la formation des salariés en privilégiant l'emploi précaire, en privilégiant toutes les mesures qui conduisent à la baisse du coût du travail, et qui ont conduit nos entreprises et nos économies à être moins efficaces qu'elles ne devraient être face à une crise comme celle que nous traversons. C'est aussi celles qui ont sacrifié l'environnement et alimenté la crise écologique qui se manifestait avant que l'épidémie arrive et qui continue de se manifester maintenant. Donc voilà pourquoi, à mon avis, ce que les banques centrales sont en train de faire ne répond pas à ce qu'il faudrait faire dans la situation où nous sommes et risque même de l'aggraver. Voilà pour la première question. Alors, quel rôle devrait jouer la Banque Centrale Européenne pour répondre aux enjeux de cette crise? Alors, on peut reprendre les propositions dans le même ordre. En ce qui concerne les achats de titres sur le marché, ces 1 000 milliards qui ont été annoncés, je crois qu'il pourrait être cette création monétaire, puisque créer de la monnaie à partir de rien du tout, c'est la caractéristique des banques centrales. Ces 1 000 milliards pourraient servir à toute autre chose. Parce que d'un côté, on a cette énorme masse, ce tsunami du chômage qui va déferler, mais d'un autre côté, il y a un immense besoin d'embauche dans les services publics. En France, il faut embaucher des centaines de milliers d'agents dans les hôpitaux, dans les EHPAD, et aussi dans les autres services publics, dans les transports ferroviaires pour éviter que les marchandises se baladent sur la route, dans l'enseignement, dans la recherche, et ça sans attendre. C'est maintenant qu'on a besoin de développer la recherche médicale et dans bien d'autres domaines. Et aussi, par exemple, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, par exemple dans les services fiscaux pour combattre l'évasion fiscale. Il y a une urgence, ou dans les douanes, ou à la Banque de France pour accompagner les ménages et les entreprises qui sont touchées par la crise. Donc il y a d'énormes besoins d'embauche dans les services publics, il y a d'énormes besoins d'investissement pour permettre à ces gens-là, ces agents qu'on va embaucher, qu'on devrait embaucher, qu'on n'embauche pas aujourd'hui. Il faudrait investir pour qu'ils aient les moyens de travailler, les outils, les ordinateurs, les bâtiments, les locaux, etc., convenables pour travailler aujourd'hui. Et puis, il y a un énorme besoin de formation. Parce qu'aujourd'hui, on peut embaucher immédiatement dans les hôpitaux des brancardiers, des personnels qui s'occupent de la logistique. Mais il faut penser tout de suite à la formation des futures infirmières, des futurs médecins. Ce sont des investissements. C'est de l'argent qu'on doit dépenser absolument aujourd'hui et qui rendra des services pendant très longtemps, dans l'avenir, pendant 30 ans, 40 ans, pendant toute la période où chacun de ces agents du système hospitalier pourra travailler. Donc, on a besoin d'argent tout de suite. Eh bien, ce n'est pas sur les marchés financiers qu'on va trouver cet argent, parce que
ça ne sera pas rentable. Comme le disait Philippe Massenet, le but de l'hôpital, ça n'est pas d'être rentable, c'est de soigner les malades. C'est deux choses complètement différentes et même contradictoires. Et donc, la seule façon d'avoir cet argent, c'est d'aller le chercher à la Banque Centrale Européenne, mais pas en passant par les marchés financiers. Donc, il faut que la Banque Centrale Européenne finance directement des projets qui auront été décidés démocratiquement dans les pays de la zone euro, avec la participation des citoyens, pour développer les services publics. Par exemple, à travers moi, je crois à la nécessité de constituer un fonds européen de développement des services publics. Mais dans lequel les choix d'investissement à financer seraient réalisés à l'issue d'un processus démocratique, une sorte de planification démocratique des efforts à développer maintenant pour disposer demain des services publics qui seront capables de faire face à la crise et à ce qui va la suivre, aux crises qui lui succéderont. Donc ça, c'est tout à fait possible. On nous dit parfois, c'est pas possible, les traités interdisent aux banques centrales de prêter aux États. Les banques centrales peuvent prêter à des institutions publiques à condition que ces institutions publiques aient le statut de banque, d'institution financière monétaire. Donc je pense que les banques centrales peuvent parfaitement prêter un fonds de développement des services publics si ce fonds a un statut d'institution financière monétaire, et même sans attendre la constitution de cette institution, elles peuvent très bien prêter à des institutions comme la Banque européenne d'investissement, qui est une banque publique dont les capitaux sont possédés par les États membres de l'Union européenne, ou à la Caisse des dépôts, par exemple, et les consignations en France, ou à BPI France. Donc, c'est tout à fait possible, et c'est un circuit financier qui peut être organisé très, très vite. Et à mon avis, on en aurait vraiment besoin, parce qu'on va vraiment avoir besoin de dépenser beaucoup d'argent pour les services publics dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années. Donc, voilà pour le premier aspect de ce que peuvent faire les banques centrales. Le deuxième aspect, il concerne, comme je le disais, le financement des entreprises. Et là, il y a un besoin qui me paraît criant, c'est que la BCE a bien compris qu'il fallait mettre des conditions pour refinancer les crédits aux entreprises. Mais les conditions qu'elle met aujourd'hui sont totalement insuffisantes. Je crois qu'il y a une condition qui doit être absolument centrale, prioritaire, c'est que nous voulons éviter que la crise actuelle passe par une explosion du chômage. Aujourd'hui, on a le chômage partiel, mais on sait que ça ne va pas durer. Le dispositif gouvernemental des deux chômages partiels est déjà remis en cause par la ministre du Travail à partir du mois de juin. Par conséquent, il y a un énorme effort à faire pour que, dans les gestions des entreprises, un impératif s'impose, zéro licenciement et maintien des salaires. Alors ça, évidemment, ça n'est pas vécu de la même façon dans un grand groupe multinational à qui il faut imposer des conditions très dures et qui dispose d'une trésorerie qui lui permet de répondre à ces conditions. Mais on comprend bien que la situation est différente, par exemple, pour une PME, un café-restaurant, un garage, toutes sortes d'entreprises qui sont ancrées localement, qui ont des salariés et qui vont avoir du mal tout simplement à tenir pendant une période qui peut durer, pendant laquelle elles vont continuer à devoir payer leurs salariés, leurs fournisseurs, leurs impôts, leurs cotisations sociales, mais les recettes ne vont pas rentrer. Donc, ces entreprises-là, je pense qu'il y a lieu de leur mettre à leur disposition un plan de soutien en trésorerie, mais beaucoup, beaucoup plus ambitieux que ce qui a été annoncé par le gouvernement. Je crois que ces entreprises-là peuvent pouvoir recevoir des prêts à 2, 3, 4, 5 ans, à des taux d'intérêt négatifs, parce que c'est possible, la BCE crée de l'argent à taux négatif. Et pour leur permettre de faire face à leurs dépenses pendant qu'on combat la crise et de préparer la relance de l'activité quand on aura la possibilité de relancer à la fois la demande et l'efficacité de l'offre économique. Donc c'est un véritable plan extraordinaire de soutien, en particulier aux PME, mais avec une condition, vous avez droit à ce soutien, on vous prête de l'argent, on vous en donne même, puisque les taux d'intérêt sont négatifs. Éventuellement, si vous êtes très vertueux, vous aurez droit à des avances non remboursables, vous ne serez pas obligé de rembourser. Mais la condition, c'est vous conservez vos effectifs, éventuellement vous les élargissez si vous en avez la nécessité et la possibilité, et vous maintenez les salaires. À ces deux conditions-là, vous aurez une aide financière extraordinaire, et bien sûr, les institutions qui vous ont prêté pourront surveiller que vous respectez les engagements que vous avez pris, mais aussi vos salariés.
vos représentants syndicaux, vos institutions représentatives du personnel, les populations, les endroits où vous exercez votre activité, pour s'assurer qu'évidemment l'argent ainsi créé de façon massive, il s'agit bien de 3 000 milliards d'euros à l'échelle de la zone euro, ça veut dire 800 millions d'euros à l'échelle de la France, que cet argent ne soit pas gaspillé pour gonfler les profits des actionnaires et les intérêts des banques. Donc si toutes ces conditions-là sont réunies, alors on peut vous aider à passer cette épreuve terrible qui est devant nous, parce que la crise est très loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer sur le plan économique, je ne prononce pas sur le plan épidémiologique. Et par conséquent, oui, il faut que les banques centrales mettent en œuvre des moyens absolument extraordinaires, mais il faut qu'elles les utilisent autrement. Et mon dernier mot sera pour dire que quand on avance ce type de proposition, ça veut dire que ça concerne bien sûr les banques centrales, la BCE, les banques internationales, mais ça concerne aussi les citoyens, les travailleurs, le mouvement syndical, puisque nous avons en quelque sorte une responsabilité en ce qui concerne, par exemple, l'intervention dans les décisions pour définir les projets qui méritent d'être financés, projets de services publics, projets de développement dans les PME, dans les groupes industriels. Et là, c'est un enjeu qui n'est pas seulement, à mon sens, une affaire de réclamation ou de revendication auprès des pouvoirs publics, mais qui est tout autant un enjeu de mobilisation locale sur le terrain, dans nos services, avec nos administrations des finances en particulier, pour accompagner les initiatives de mobilisation qui pourront être décidées sur place, dans les régions, les départements, les grandes agglomérations, les bassins d'emploi. Voilà quelques idées qui me viennent quand on me pose la question de savoir ce que devraient faire les banques centrales dans la situation d'aujourd'hui.